Panorama, c'est une exposition qu'on a sous-titré un itinéraire graphique. Et l'idée, c'était de donner un temps de réflexion sur la place des images dans l'espace public. Et pour ça, d'interroger les graphistes, donc des gens qui mettent en forme des signes qui font le paysage sur cette question-là. Aujourd'hui, l'image a une place prédominante dans nos vies, dans nos villes. Et on trouvait intéressant de donner un temps de réflexion autour de ça, quoi, de la place de l'image dans l'espace public. On a répondu à une invitation de la médiathèque à Saint-Hermain, la médiathèque Charles Gauthier-Hermeland, qui pilote ce temps fort autour de l'image. Et pour nous, ça rencontrait vraiment une dynamique autour justement de la question de l'image, de porter cette question de l'image dans l'espace public sur le territoire nantais. Et c'est une ville, une agglomération, un territoire qui a une vraie culture du spectacle vivant, des temps forts, mais moins porté sur l'image. Et donc on trouvait ça intéressant de porter cette question-là sur le domaine public. Panorama, c'est donc aussi la présentation de 15 graphistes auteurs, avec des personnes venant un peu de tout horizon. Il y a des Français, mais aussi un Slovène, un Portugais installé aux États-Unis, des Russes, qui vont donner chacun leur regard sur une thématique commune. Avec Forme Vive, on est 3 graphistes indépendants et on essaie de créer une écriture graphique qui est le fruit de cette rencontre de 3 graphistes. Pour l'affiche de Panorama, donc nous on a travaillé à partir d'une photo d'une ferme de panneaux solaires à Saint-Herblain. Ce qui nous a inspiré en fait une image estivale, une image autour du soleil et des soleils en fait. Donc c'est une image, presque une image poétique, c'est-à-dire qu'il y a du texte aussi, il y a une sorte de prose comme ça autour de ce qu'est pour nous le soleil. Et en fait on voulait une image qui soit une sorte de salutation au soleil, un peu comme qu'on peut retrouver dans le yoga, ou ce genre de petits moments poétiques cadeaux, quoi, petite surprise.